vais à présent te raconter encore une histoire de loup. Mais est-ce que tu as peur du loup? Pourquoi est-ce que tu as peur du loup? Tu vas voir dans cette histoire que tous les loups ne sont pas forcément méchants, ou n'ont pas envie de le devenir en tout cas. Mais ce petit loup-là, lui, petit loup, ne veut pas devenir un grand méchant loup. Un loup a de grandes dents. Petit loup, lui, il a de toutes petites dents pointues. Un loup. Quatre pattes très griffues. Mais petit loup, lui, il a quatre pattes de velours, toutes douces. Eh merde, je vais recommencer. Un loup a quatre pattes avec des grandes griffes. Mais petit loup, lui, il a quatre pattes de velours. Et un loup est censé être méchant. Mais petit loup, lui, est très gentil. Il ne veut pas devenir un grand méchant loup. Quand les enfants se cachent en le voyant arriver, ils versent des larmes de crocodile. Quand les petits cochons refusent de m'inviter chez eux pour jouer, il a le cafard. Petit loup fait toujours de grands sourires pour montrer qu'il est gentil. Mais ses dents blanches et pointues font fuir tout le monde. Pourtant, petit loup est très gentil. Il ne veut pas devenir un grand méchant loup. Mais alors, que veut-il être plus tard? Petit loup veut devenir un grand gentil loup pour jouer à saute-mouton. Petit loup veut devenir doux comme un agneau pour se faire caresser par les enfants. Mais ce qui rendrait Petit loup aussi heureux qu'un poisson dans l'eau serait de devenir un vieux loup de mer pour naviguer sur les océans et voir. Alors, est-ce que toi aussi, tu as peur du loup? Ou tu t'es rendu compte que comme petit loup, tous les loups n'étaient pas forcément méchants? Bah oui, Petit loup ne veut pas devenir un grand méchant loup. C'est une histoire qui a été écrite par Véronique Barrault et illustrée par Valérie Zlotti. On les embrasse et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis, hey, envoyez-moi des dessins de petits loups par exemple. Moi je vais vous poster un petit tutoriel pour apprendre à dessiner petits loups comme il est dans l'histoire là. Voilà. En attendant, je te souhaite une très très bonne journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle histoire.